Bonjour, bienvenue sur Le Champ, l'émission qui travaille à la reprise du pouvoir. Et pour l'émission d'aujourd'hui, je reçois Monsieur Upinski. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors, Monsieur Upinski, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu pour les spectateurs qui nous suivent? Oui, alors se présenter, c'est toujours délicat. Il vaut mieux être présenté que se présenter soi-même. D'accord. Alors, je. Alors, Non, vous voulez que je commence? enfin, si vous voulez. Bah, vous êtes donc docteur en philosophie. Bon, alors, je vais me présenter moi-même, Alors, allez, alors. représentez-vous. Parce que ce qu'on te dire, c'est que. La première manière de se présenter, ce serait celle de Jacques Pradel, dans l'Odyssée de l'espace, qui m'avait présenté comme mathématicien, épistémologue, historien des sciences, expert en système logique. Bon. Et j'ajouterais linguiste, docteur en philosophie politique. Donc ça, c'est la présentation, la carte de visite, si je peux dire. Mais l'important, quand il y a une présentation, c'est ce que dit Aristote, c'est de comprendre la nature de la personne qui est présentée. Donc tout est dans l'œuvre, tout est dans le principe initial. C'est ce qui fait qu'on dit souvent qu'un écrivain n'écrit jamais qu'un seul livre, qu'il réécrit. Il y a une idée de départ qui est développée. Alors quelle est mon idée de départ? L'idée de départ, c'est lorsque j'ai constaté que mon professeur d'histoire me mentait. Le premier qui vit un chameau s'émeut à cet objet nouveau. C'est-à-dire, vous vous demandez pourquoi il vous ment. Bon. Et puis, le deuxième déclic. C'est quand j'ai constaté que c'était les meilleurs, les mieux armés, les plus nombreux, qui étaient systématiquement vaincus par les moins nombreux, les moins bien armés et ceux qui avaient la cause la moins juste. Et là, je me suis dit, il y a un truc. Donc on peut dire simplement, comme présentation, que j'ai consacré mon œuvre, si je peux dire, mon action, à la découverte de ce truc. Ce truc, on peut l'appeler d'ailleurs la magie politique, par exemple, la magie. Alors, donc, l'origine de mon œuvre, c'est le détrucage de cette destruction de l'intelligence, de cet appauvrissement que j'ai bien découvert avec les mathématiques modernes. Donc, les mathématiques modernes qui promettaient que tout le monde pourrait être polytechnicien, qu'il n'y avait plus de problème, ça a été le déclic sur l'importance des mathématiques et de ma discipline de base. Comme moyen, non pas de rendre plus intelligent, mais de détruire le rapport de la cause et l'effet. Donc, ça, c'était il y a plus de 40 ans, et on en voit l'effet maintenant. C'est-à-dire qu'on voit que cet esclavagisme, cet esclavage actuel, c'est le résultat, ça a été précédé d'une destruction du cerveau. Quand vous voulez faire de quelqu'un un esclave, vous commencez par lui couper la tête. Donc, mon œuvre consiste à conduire au numérique. C'est-à-dire que les mathématiques modernes, évidemment, je l'ai vu dès le départ, tout est là. C'est le refus dans mon œuvre, le refus d'admettre que 2 plus 2 égale 5, c'est ce qui vous conduit à l'esclavage. Une fois que le tyran vous fait admettre que 2 plus 2 égale 5, tout est possible. Donc il faut rester dans le 2 plus 2 égale 4. Et là, donc vous aviez de nouvelles mathématiques, et dans ce livre de 77, qui annonçait bien, c'est une nouvelle société. C'est la société de Macron, le numérique, la distanciation sociale, ne vous serrez pas la main, ne vous embrassez pas, ne vous reproduisez plus. L'État s'en charge. Donc ça, c'était le point de départ, avec une crise de l'enseignement, une crise de la société, le grand combat intellectuel a commencé. Donc mon œuvre a consisté à creuser ce décalage, cette inversion, donc des rapports entre la vérité et l'erreur, le bien et le mal. Et donc ça a donné une douzaine de livres, tous consacrés au langage. Donc, il y a les mathématiques, j'ai découvert que les mathématiques avaient un rapport avec la magie. Hein, bon. La sélection par les maths, la sélection du pouvoir par la perversion des meilleurs. Bon. Donc la méthode scientifique, l'épistémologie, le langage politique. Alors la théorie des ensembles politiques est ignorée. Mitterrand l'avait annoncé qu'il y a une théorie des ensembles politiques qui est ignorée. Donc les ensembles d'abord en mathématiques, ensemble en mathématiques, en fausses mathématiques si j'ose dire, et puis après traduire dans les ensembles politiques. Langage symbolique, la censure, etc. Donc, cette idée de départ du mensonge, de l'inversion des rapports par le langage, le trucage du langage, et ça aboutit à une vision, une nouvelle vision, une grille de lecture mathématique du monde et du pouvoir, va nous amener. Bon. Donc, mon itinéraire intellectuel, c'est, si on peut dire, des mathématiques à la politique, avec ma thèse de doctorat qui est Principes mathématiques de philosophie politique. Le livre de mathématiques est écrit en langage
Le livre de La politique est écrit en langage mathématique, sans l'usage duquel il est impossible de comprendre un seul mot. Enfin, c'est l'idée de base. Donc, cette œuvre a conduit à des armes disponibles, défensives et offensives, pour la conquête du pouvoir. Parce qu'on a affaire à des mathématiciens qui sont des magiciens. Donc, c'est un défi de l'intelligence, de la vérité scientifique. Et donc, c'est ce grand combat d'inversion que certains de mes camarades de classe constataient sur la nécessité de constamment inverser toutes les phrases pour remettre le langage, la politique, l'intelligence, le bien commun à C'est l'endroit. la déconstruction de la langue d'Orwell, c'est ça? C'est la reconstruction de la déconstruction. Moins Oui. par moins égale plus. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a Orwell, et je rappelle qu'effectivement, le français, l'académicien français, la Harpe, avait bien décrit dès le 31 décembre 1794, la langue révolutionnaire, qui est cette langue qui inverse, qui transforme le vice en vertu et qui inverse tous les rapports. Et donc, c'est le malaise que l'on a actuellement, c'est que tout le monde sent bien que nous vivons dans un monde à l'envers. Donc, le projet politique, si je peux dire, c'est de remettre le monde à l'endroit pour que chacun se ressente bien dans ses bottes, si je peux dire, dans son corps. Voilà. Et donc, on arrive, je disais simplement, j'arrive à la conclusion que on marche actuellement sur un système de la logique qui ne sont même pas sur la logique mathématique, mais la moitié de la logique mathématique, puisqu'en mathématiques, je rappelle qu'il y a quand même des mathématiques qualitatives. Voilà. Voilà à peu près la présentation que je D'accord. peux vous faire. Très bien. Donc du coup, vous avez donc vous êtes attaché aussi à l'étude de ce qu'est le pouvoir. Bon, on y reviendra plus tard certainement dans une autre émission, parce que c'est un sujet qui est assez costaud, si j'ose dire. Mais vous avez proposé donc des outils, ou vous avez proposé même des stratégies pour la reprise du pouvoir. Vous avez mené des batailles, un certain nombre de batailles. Alors, on a bien compris là dans la présentation que vous avez faite que, grosso modo, tout se situe au niveau du langage. Il faut Oui, tout est reconquérir. langage. Voilà. Tout est Donc, il langage. faut. C'est ce que. Donc, vous avez votre ouvrage qui s'intitule La tête coupée ou La parole coupée, Le secret du pouvoir. Voilà. Donc, le secret du pouvoir, c'est de prendre la parole, de couper la parole à ses adversaires. Et donc, fondamentalement, il y a une stratégie pour reprendre le pouvoir qui consiste à reprendre la parole. Prendre le pouvoir, c'est prendre la parole. Voilà. Et c'est ce que disait très bien d'ailleurs Maurice Druon. Il disait, en démocratie, ce n'est pas le peuple qui est souverain, c'est la parole. Et ça a toujours été la parole. Et je vous rappelle quand même que l'évangile de Saint Jean, au début, était le Verbe. Tout a été fait par le Verbe et rien n'a été fait sans lui. C'est l'évangile des initiés. Donc, tous les hommes de pouvoir, je prends Jules César, mais vous prenez Staline et les autres, ont travaillé sur la grammaire. La grammaire, c'est la constitution du cerveau, et donc c'est ce qui permet de prendre le pouvoir. Donc tout est langage, et d'ailleurs le chef, c'est celui qui parle. Et on le voit un peu trop souvent actuellement. C'est-à-dire que c'est la théorie du ruissellement, c'est-à-dire que le chef parle et les autres exécutent. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le cerveau est au-dessus. Donc c'est le chef, Ouais, le couvre-chef. le couvre-chef, oui. Le Et chef, c'est la tête. un petit peu au-dessous, on descend, toc, et puis après il y a la parole. Et donc la parole, c'est la prise du pouvoir, et comme vous dites, la tête coupée ou la parole coupée, si vous ne tenez pas la bonne parole du chef, eh bien on vous coupe la tête. Voilà. Donc c'est la clé du pouvoir, et Macron, c'est ce que je dis, j'explique, et dès le départ, parce que tout était visible dans Macron, il suffisait de savoir lire, mais comme on a appris, on ne sait plus lire, c'est que la figure du roi, le président ventriloque, c'est que le génie, si on peut dire, de Macron, mais qui ne fait que reprendre des théories de magie, c'est d'être capable de faire parler qui il veut. On fait parler le peuple, on fait parler les gilets jaunes, on fait parler Jeanne d'Arc, on fait parler le roi, la figure du roi, et on est tout le monde, et donc on a toujours raison. Et donc tout le génie, c'est de vous faire croire que c'est vous qui avez dit ce qu'on vous fait dire. C'est pour ça que tout le temps on dit les sondages. Les sondages, c'est un système ventriloque. Voilà ce que pensent les Français, voilà comment ci, comment ça. Et je vous rappelle que les statistiques, c'est de la magie. C'est ce qu'a dit Bernard Shaw. Il y a le mensonge, le sacré mensonge et les statistiques. Donc avec les statistiques, on peut dire absolument ce qu'on veut. C'est pour ça que la gestion de la crise, ce n'est pas sanitaire, ce ne sont pas des remèdes, ce sont pas, mais c'est simplement des statistiques. Voilà.
Alors on peut faire monter les courbes, on peut les faire baisser, on peut dire qu'on a eu raison, on peut dire que la cloche n'est pas faite soi-même. Bon, donc voilà. Donc c'est le contrôle du pouvoir, c'est ce que j'appelle le langage fort dans la tête coupée, c'est que c'est le langage fort qui s'impose à tous les autres. Donc quand vous regardez le fonctionnement dans la rue, partout, il y a ceux qui parlent en bas, il y a ceux qui vident les poubelles, il y a ceux qui font autre chose, et puis il y a le, on peut dire, il y a le langage régalien, et puis les autres déclinent, ne font que décliner. Donc vous avez le langage régalien qui vous dit maintenant, c'est le clic et collecte, alors tout le monde s'exécute, donc les ordres sont donnés, et après, vous avez la proposition principale du chef et la proposition subordonnée qui décline le langage dans l'application. Donc vous passez des principes à la mise en œuvre. Et le langage fort, c'est celui qui se réclame des principes les plus élevés. Et là, le principe qu'a donné Macron, parce qu'il faut bien comprendre le langage, c'est sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Alors à partir de ça, quoi qu'il en coûte, ça veut dire que tout le monde doit obéir, quoi qu'il vous en coûte. Alors évidemment, la phrase est fausse, parce que je dirais plutôt c'est sauver le vaccin, quoi qu'il vous en coûte. Par exemple. Vous voyez, bon, on voit comment. Mais une fois que la proposition principale, le principe est donné, eh bien tout le monde s'exécute. Donc le langage fort, c'est ce qui permet de prendre le pouvoir. Et la révolution, c'est la prise du pouvoir par un langage fort abstrait. Liberté, égalité, fraternité. C'est un langage tellement abstrait que personne ne peut le contester. Et à ce moment-là, si vous réclamez de ces principes supérieurs, vous commandez tout ce qu'il y a au-dessous. Donc, je caricature, mais jusqu'à la Révolution, le principe supérieur, c'était Dieu, donc le clergé, et après, ça devient l'abstraction. Et à ce moment-là, vous obéissez à l'abstraction, vous ne pouvez rien dire, parce que ce sont les principes supérieurs. Et lorsque le chef se réclame du salut de la tribu, de la nation, vous êtes obligé de suivre, que ce soit la conscription obligatoire, que ce soit le masque ou autre chose. Donc, ce qui est important, c'est de savoir quel est le mot qui domine les autres. Et lorsqu'il y a eu le débat sur la laïcité, les tendants de la laïcité ont dit aux religieux, vous avez trouvé un mot pour dominer tout le monde, c'était Dieu. Eh bien, eux, ils ont inventé un mot pour dominer tout le monde, c'est la laïcité. Et Robespierre se posait la question du mot qui domine les autres, il s'est dit, tiens, c'est l'être suprême, et il a créé la fête de l'être suprême. Donc toute l'astuce, c'est le contrôle des principes les plus élevés pour dominer tout le monde. C'est ce principe de la conquête du pouvoir. Et le malheur, c'est que les principes qui dominent le langage fort actuel sont des principes toxiques. C'est pour ça que tout le monde est si mal. C'est la gloire des Gilets jaunes, la magie des Gilets jaunes, d'avoir fait apparaître que ce monde tournait à l'envers, d'avoir osé défier ce système en disant effectivement qu'il ne fonctionnait pas, qu'il marchait à l'envers. Et tout. Et pour continuer la démonstration des Gilets jaunes, il faut effectivement cette prise du pouvoir qui rétablit les vrais principes et les bons principes à l'endroit. Non pas des principes abstraits, mais des principes réels. Non pas, pour prendre une image, la spéculation financière, c'est pas l'industrie ou l'économie au service de la finance, mais c'est la finance au service de l'industrie. C'est toujours l'inversion. C'est pas le signe qui doit faire la chose, c'est la chose qui doit faire le signe. Vous voyez? Toute l'astuce, si vous voulez, de la magie, c'est qu'au départ, il y a des gens qui ont de l'or et d'autres qui n'ont rien, et disent à ceux qui ont de l'or, donnez-moi votre argent, je vais comme ça le garder en banque. Et puis quand vous déplacez, j'écrirai à mon correspondant qui vous donnera de l'or. Alors au début, il y a quelqu'un qui a de l'or, puis il y a le papier en face, et puis à la fin, il y a l'autre. Celui qui avait de l'or au départ, il n'a plus que le papier, et c'est l'autre qui a l'or. Mais c'est ça la magie, en 3 temps. Et donc la magie, c'est l'inversion des rôles. Hein, le peuple est souverain. Alors on dit, c'est génial, vous êtes souverain, le peuple. D'accord? Vous êtes souverain. Et puis après, au départ, c'est le peuple qui est souverain, et après, c'est le souverain qui est peuple. Donc le peuple n'a plus droit à la parole. Il ne décide plus rien, puisque le souverain est peuple. Voilà. Donc c'est le pouvoir du langage, et c'est une réflexion sur le langage que j'ai menée depuis les maths. Donc, réflexion sur le langage mathématique, réflexion sur le langage politique, dans la tête coupée, réflexion sur le langage symbolique avec l'art. Et maintenant, j'allais dire sur le symbole médical, puisque j'ai quand même travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Voilà. D'accord. On va passer directement à la suite, puisque bon, on Mais vous aura parlez compris. des bilans, non? Pas maintenant? Bah écoutez, Non, bon. puisqu'on est quand même un petit peu Pris par le temps. pris par le temps, Et je peux on aller va. très vite là-dessus. Eh bien, Bon. allez-y en deux-trois Alors, minutes. En deux, donc, trois minutes. dans l'enseignement bataille des mathématiques, donc j'étais le référent sur les maths modernes, et en 1985, Jean Chevènement
a pris mon livre pour la réforme des lycées de 85. Parler de bilan. Bon. L'épistémologie sur le linceul, le symposium sur le linceul de Turin. Donc, l'expertise, la bataille d'expertise a réuni 18 nations à Rome. Et disons que la victoire scientifique a été obtenue grâce à la mise en œuvre de la méthode des systèmes experts. Du point de vue linguistique, il y a Alain Rey du Petit Robert qui a utilisé ma réforme des lycées. Et la division sur le nominalisme et le réalisme a été reprise par Vladimir Volkov qui m'a dit que celui-ci lui avait pris ce que c'était que la différence entre les nominalistes et les réalistes. Vladimir Volkov, vous pouvez nous dire qui c'est? Bah, il est bien connu pour ses romans policiers c'est bien connu. C'est un sur, écrivain. Sur disons que les manipulations politiques, c'est un écrivain. Voilà, c'est un écrivain. C'est un écrivain. Ah, je vais rapidement. Bon. Sur la construction européenne, donc j'ai annoncé dès 1992 ce qui allait se passer, que le système allait fonctionner à l'inverse. Donc j'étais dans cette bataille de Maastricht, j'ai écrit deux livres sur le sujet, ce qui m'a conduit à être président de l'ERAMA, qui est l'Alliance internationale de Maurice Allais. Maurice Allais, qui, je vous le rappelle, dès 1999, c'est le prix Nobel d'économie, qui avait bien annoncé ce qui allait se passer, c'est-à-dire mondialisation, destruction de la croissance et de l'emploi. Et là encore, sur le pouvoir du langage, par un seul mot, protectionnisme, on a empêché la solution d'être adoptée. C'est-à-dire qu'on a détruit l'industrie par un seul mot. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas protéger l'économie, il ne fallait pas... Et toute l'économie a été détruite en disant « attention, protectionniste !» C'est comme un serpent. Donc, c'est le pouvoir du langage. On invente des mots bloquants. Ils bloquent le cerveau, tout le monde a peur. Protectionniste. D'accord. Et Maurice Allais avait... Bon, donc j'ai défini la guerre de représentation qui a été reprise par Alexander Delval sur la guerre de représentation. Je passe rapidement. Et donc, voilà. Bon. Et puis ça a conduit certains à parler du Brexit. Donc, 28 ans avant, on peut prévoir les choses. Hein, quand on regarde les équations, les courbes, on sait ce qui va se passer. La destruction de l'intelligence, je l'ai annoncé dès 1977. Dès 1992, on savait que le système allait marcher à l'envers. Tout ça, c'est facile. Mais ce qui est important, c'est que le pouvoir en place vous met dans un langage et vous déclinez, bêtement. Mais si vous regardez les équations, vous savez très bien où ça vous met. Bon, ensuite, bataille contre la contrefaçon. J'ai gagné le plus gros procès littéraire contre Albin Michel. Bon, ça, c'était jamais vu, je pourrais en parler. Combat contre la censure, là, la bataille de Versailles qui a été gagnée quand même, sur l'art contemporain, qui est l'art new-yorkais, sur le pouvoir symbolique, et Macron, le président ventriloque, ici présent, Macron est là, vous voyez, bon, c'est que dès 2017, tout était prévu chez Macron. Et le coup de génie, c'est qu'effectivement, on peut dire que ce livre, c'est l'acte 1 de la reprise du pouvoir, ça a annoncé le plan, je vous rappelle qu'il y a marqué « Manifeste pour les présidentielles 2022 », donc dès le départ, l'échec de Macron était déjà inscrit dans son discours, mais l'acte 2, c'est l'arrivée des Gilets jaunes, qui sont les véritables marcheurs. Voilà. Donc, c'est ce qui est la conclusion de ce livre, c'est qu'il faut faire en vrai ce que Macron a fait en faux, et les Gilets jaunes sont apparus pour faire en vrai ce que Macron a fait en faux, et la prise du pouvoir des Gilets jaunes pour 2022. Voilà. Ensuite, bon, bataille suivante, le coronavirus, j'ai, par le langage, montré dès le départ l'intention criminelle, nous allons en reparler, du président. On verra par le langage, toujours par le langage, parce que le criminel signe toujours son acte par le langage. Bon, anticipation. Donc on peut dire qu'au total, ce parcours a fait école et école de prévision, car la méthode scientifique, épistémologique, c'est une méthode d'anticipation qui permet de prévoir l'avenir, si je peux dire, avec certitude. Et donc ça nous mène à l'objectif 2022. Voilà, sur le parcours. Alors. Très bien. Donc, objectif 2022, donc effectivement, la reprise du pouvoir. Alors ça, on en discutera dans une émission ultérieure. Et donc là, vous avez fait un document qui est la lettre au président. Alors, un document qui a été inscrit dans une démarche dont moi-même j'ai fait partie, puisque avec les Gilets jaunes constituants, nous étions sur place pour apporter... C'était verbalisé même. Écoutez, on a été verbalisé, mais cette amende, en tout cas, n'a pas été, puisqu'elle était illégale. Enfin, moi, je l'ai contestée à titre personnel. Donc, vous avez pris le pouvoir. Exactement. Et donc, je n'ai pas payé cette amende qui a été contestée. Donc, je n'ai pas eu de retour par rapport à la contestation, puisqu'effectivement, c'était mon droit le plus absolu d'apporter ce protocole donc, de déconfinement au président de la dite république afin de procéder donc
à un déconfinement sain, etc. Donc on va en parler en détail. Donc la prise du pouvoir par le négationnisme présidentiel. Alors qu'est-ce que c'est que ce négationnisme présidentiel? Ou est-ce qu'on peut parler donc d'intentionnalité? Donc en fait, le négationnisme présidentiel, c'est la mise en évidence de l'intentionnalité criminelle donc du président Macron sur la gestion donc de cette crise sanitaire. Alors oui, la première chose, c'est que bon, moi j'ai une formation industrielle et dans l'industrie, partout, il y a une logique. Quand vous avez un problème, vous l'analysez et vous mettez en place la solution. Et les mots ont un sens. Si vous vendez des carottes, vous ne vendez pas des choux. Là, quand vous voyez, et donc j'ai une expérience de l'industrie pharmaceutique, quand vous voyez qu'il y a eu cette intention criminelle dont nous avons parlé, et que tout a été fait à l'envers, mais exactement à l'envers. C'est la précision, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce que dit le professeur Perron, il a dit l'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance. Non. Donc le gouvernement a été parfaitement compétent, il a toujours fait exactement ce qu'il fallait à l'envers. Et quand on est toujours faux, c'est qu'on a toujours. On est toujours bon. Alors, donc cette lettre dont vous parlez, c'est la réponse de la nation au président de la République pour lui intimer l'ordre de reconnaître et de généraliser le traitement du coronavirus. Bon. Puisque c'est la nation qui est souveraine, le président doit exécuter. Et comme le président parle et que la nation ne répondait jamais, en toute logique, il faut que la nation réponde. Comment la faire parler sans la ventriloquer? Ben, il suffit de regarder les sondages, quelle était l'opinion générale à l'époque. Et à l'époque, Odoxa avait bien fait un sondage qui montrait que les Français voulaient l'application du traitement. C'est le 6 avril, le sondage IFOP a annoncé que la totalité des Français sait qu'il existe bien un traitement à base de chloroquine et que l'opinion publique est majoritairement convaincue de son efficacité. Le Doxa, c'était le 25 mars. Hein. Il y avait 6 Français sur 10 qui voulaient accélérer l'option chloroquine et la mettre en œuvre. Donc, quand vous avez des sondages, on sait ce que c'est, qui annoncent bien que les Français veulent généraliser, le président doit s'exécuter. Ce n'est pas le souverain, c'est l'exécutant. Bon, à ce moment-là, vous donnez aux mots leur vrai sens, et cette lettre s'adressait au président pour qu'il la lise et qu'il réponde. C'est ça la liberté d'expression. Hein, c'est que vous écrivez, on vous répond. Un jour, j'appelais l'Élysée, je lui ai bien reçu la lettre, il dit oui. Il dit, et alors? Dit-il, ben, dit, quand on reçoit une lettre, on répond. Oui, mais ça passe à l'Élysée, rien. Hein. 21e siècle, c'est compliqué. Donc on a un système qui ne fonctionne absolument pas, et comme vous l'avez rappelé, il y avait un protocole. Ben, j'ai fait les procédures toute ma vie. Donc vous proposez un protocole, on ne répond pas. On fait l'inverse. Bon, donc là, donc c'était une démarche professionnelle. C'est-à-dire que si la démocratie existe, ça veut dire que n'importe qui peut s'adresser au président, comme ça se passait d'ailleurs à Versailles, et il doit répondre. Ce n'est pas une option, il doit répondre. C'est une faute professionnelle. Quand un commercial ne répond pas à un client, c'est un licenciement. Donc un président qui ne répond pas devrait être licencié. Mais c'est ça. Y a pas, ils ne sont pas au-dessus. Bon, alors, ce qui est important par rapport à ce que vous dites, ce que les Français ne veulent pas comprendre actuellement, c'est qu'on a un président criminel. Et la preuve, c'est qu'il n'a pas répondu à cette lettre. Il n'a répondu ni par écrit, ni par une assignation. Il y a des gilets jaunes qui ont mal parlé apparemment du couple présidentiel. Il y a eu une procédure, je n'ai pas suivi le détail. Mais là, c'est quand même beaucoup plus important de le traiter de criminel. Oui, Eh bien, il ne fondamental. répond pas. S'il ne répond pas, c'est qu'il ne peut pas répondre. Et donc, ça veut bien dire que le texte est exact, il est documenté. Bon, et comme le disait quelqu'un qui n'était pas très loin d'ici, il disait plus le temps passe, plus cette lettre prend de la valeur. Parce qu'effectivement, donc, il n'a pas répondu. C'est un début de preuve, mais quelle est la véritable preuve? Eh bien, la véritable preuve, elle est très simple, parce que les gens cherchent des choses très compliquées. Il y en a qui cherchent des choses, des associations, des choses mondiales, etc. C'est très simple. Depuis le début de l'humanité, quand il y a une maladie, eh bien la mère de famille fait trois choses. La premièrement, elle va voir le médecin. Le deuxièmement, elle demande le traitement. Et troisièmement, elle va le plus vite. Ça, tout le monde peut comprendre, sans avoir un bac. Hein, c'est pas compliqué. Bien C'est sûr, comme quand quelqu'un a faim, il mange. oui.
Et si on l'empêche de manger, c'est qu'on le condamne à mourir de faim. Est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est de ce niveau-là. Bon, et là, ce qu'a fait le président, c'est que d'une part, il a mis les médecins hors jeu. La médecine libérale a été mise hors jeu, hors de combat. La preuve, c'est-à-dire que Macron a bien dit que les premières lignes, c'était les hospitaliers. Non, ce ne sont pas les hospitaliers, c'était les médecins de ville. Donc, on a empêché les médecins. Comment? Par un mot d'ordre. Je cite, par exemple, le 25 janvier, c'est le courrier Picard. Restez chez vous. Ben, restez chez vous, ça veut dire n'allez pas voir le médecin. Attendez que ça se passe. En plus, le Doliprane, c'est pire, parce que le Doliprane, c'est encore pire. Et puis, attendez. Puis, quand ça devient très grave, faites le 15. Quasiment appelez la morgue, puisque vous y êtes. C'est tellement énorme, comme disait Chirac, plus c'est gros, que tout le monde regarde à côté. Si, c'est simple. Parce que c'est pas seulement le méga, c'est n'allez pas voir le médecin. D'accord? Ne prenez pas de traitement Et aller voir et allez l'hôpital, plus tard. voilà. Ça, c'est un crime. Alors, évidemment, si c'était dans un roman policier, s'il n'y avait qu'un mort, on dirait que c'est un crime. Mais quand il y a 25 000 morts, c'est plus grave, c'est une statistique. Or, j'étais le premier à évaluer, à partir des chiffres de Raoul, la surmortalité due au crime présidentiel à 25 000. Ça a été repris d'ailleurs à sa manière par le professeur Perron, mais c'est pas rien. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien là, on ne répond pas. Or, c'est un crime, l'intention criminelle, je vous dis, elle est avérée commun aussi. Bon, là, il suffit de lire la lettre du 28 avril, qui est sur le blog Réarmer l'intelligence, puisqu'il faut réarmer l'intelligence. C'est que vous avez les gens qui gouvernent, ils sont payés quand même. Ils ont quelque chose à faire. Il n'y a pas que les gens qui doivent payer 135 euros. Eux aussi ont des devoirs. Non? Tiens. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous avez un ministère de la Santé, le ministère de la Santé fait des procédures. Et je cite dans cette lettre la procédure qui voulait que ces procédures, principe de combattre une épidémie à risque national, c'est facile, hein, avec le tampon de la santé, eh bien, la première chose à faire, c'était de protéger les frontières. Macron a ricané et il est même allé jusqu'au théâtre. Et le titre de la pièce est Par le bout du nez. D'accord? Il s'est moqué de nous. Donc il s'est moqué des frontières, il s'est moqué de nous. Bon, que dernier moment, donc au lieu de finalement de faire ce qu'il devait faire, ses problèmes, il a minimisé avant de maximiser. Il a Tout tout fait ça, en faux. c'est la signature criminelle dans n'importe quel roman policier, vous le voyez. Bon, si vous voulez, mais en plus, il était dit explicitement dans cette procédure que ce qu'il fallait mettre en première ligne, c'est les médecins généralistes. Donc Macron a fait exactement l'inverse de ce qu'il devait faire. L'intention criminelle est très claire, elle se résume à la suppression du traitement. Une fois que vous avez éliminé la possibilité du traitement, tout le reste se déduit par de l'algèbre. Et le crime, c'est la négation du traitement, c'est refuser tout traitement et dès le départ, annoncer que ça serait un nouveau monde, que ça ne s'arrêterait pas. Ils ont tout prévu dès le départ. Pourquoi? Parce qu'il y a ce que Macron appelle lui-même d'ailleurs un plan B. Et leur plan B, c'est de nous plonger dans un nouveau monde qui ressemble au meilleur des mondes, de faire de nous des esclaves et de nous diriger par ce que vous pourriez appeler, vous en parliez, une religion, entre guillemets religion, qui est la religion de l'écologie, la religion de la santé, qui permet de faire une intrusion totale à tout moment. Bon, et la folie, j'arrêterai là, c'est le nouveau vaccin, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais trouvé de vaccin pour le sida, et tout à coup, il y a tous les vaccins qui veulent. Bon, et en plus, avec la manipulation génétique. C'est-à-dire qu'on va faire de l'homme Vaccin par ARN. de l'OGM, finalement, avec l'ARN, Alors, il si y vous a les voulez, vaccins par ARN, messager. il y a Donc, même les vaccins ADN. alors, Donc, simplement, ce qui est très étonnant pour ceux qui croient encore à l'intelligence collective, c'est que tout le monde est sidéré. Les médecins n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Je ne parle pas des assassinats dans les EHPAD. Pour voir ce qui s'est passé. Parce que si vous prenez la déclaration, par exemple, d'un certain Édouard Philippe, le 19 avril, et on se demande dans quel pays on est. Il a fait une présentation le 19 avril en disant ce qu'il allait faire. En principe, il y a des cerveaux en face dans la salle. Il y a des gens, il y a des gros, il y a des poids lourds. Personne n'a réagi en quoi que ce soit devant ce que je vais vous décrire. D'abord, il commence par fatiguer les gens qui écoutent. Bon. Et puis, quand ça commence à devenir sérieux, il dit, écoutez, il y a trois solutions pour combattre l'épidémie. Il commence par dire, un, le vaccin. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas de vaccin. Vous allez au restaurant? Le serveur arrive, il dit qu'est-ce que vous avez à me servir? Il vous montre la langouste et il dit il n'y en a pas. Ah oui, mais pourquoi vous me le montrez? Bon. Et puis après, il revient.
Il vous montre le caviar? Ah bien, il n'y en a pas. On dit, mais pourquoi vous montrez? Donc d'abord, Édouard Philippe montre le vaccin, ensuite il dit le traitement, il n'y en a pas. Ce qui est un mensonge. Il aurait pu dire, donc un mensonge caractérisé, et en montrant dans le sens inverse. Alors après, il dit, qu'est-ce qui reste? Le fameux test. C'est pas par hasard qu'on a testé tout le monde, sauf ce qu'il fallait. Ils font tout à l'envers, mais c'est pas par hasard. J'ai entendu ce matin qu'ils disaient, oh, le test, testé, tracé, etc. Ça l'apparaît. C'est pareil, c'est fait exprès. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons, comme disaient les gilets jaunes à une époque. Bon. Donc, si vous voulez, ensuite, il dit, il reste les tests. Ah bon? 19 avril. Tout ça, c'est filmé. Du cas, soit vous êtes positif, soit vous êtes négatif. Si vous êtes négatif, on n'en parle plus. Très bien. C'est intelligent. Un Premier ministre. Bon. Il reste le positif. Il y a deux cas. Vous êtes chez vous, vous êtes à l'hôpital. Intelligent, un Premier ministre. Bon. Et alors, vous étiez après. Eh bien, il y avait une accolade. Suivi médical. Ça s'arrêtait là. Premier ministre, suivi médical. Alors, qu'est-ce que c'est que suivi médical? Ils ne le disaient pas. Ils sont transparents. Donc, il n'y a rien à voir. Eh bien, le suivi médical, si vous allez voir ce qui se passait, notamment dans les EHPAD, le suivi médical, c'est ça. Il y a Monsieur Dupont qui va bien. Ça va, Monsieur Dupont? Oui, ça va très bien. Bon, le lendemain, oh, je suis un peu fatigué. Ah, vous avez de la température. Suivi médical. Le jour d'après, il en a un peu plus. Suivi médical. Tiens, ça se dégrade. Suivi d'après, ça se dégrade. Suivi médical. Et puis quand c'est vraiment à la limite et qu'on n'a rien fait, puisqu'il n'y a pas de traitement, on fait rien. On suit le corbillard. Ah, ça avance vers le cimetière. Et quand ça va très mal, là, vous appelez les urgences. Et après, il y a le coup de téléphone. Il est mort. Voilà le suivi médical de Macron. Je ne parle pas du Rivotril. Le Rivotril qui est condamné par le Vidal. Mais que font tous ces organismes de contrôle? Que fait l'Ordre des médecins si on l'a pas envoyé? Si Donc vous on si, est dans une situation de crime avec personne qui ose dénoncer le crime. Et quand vous le dénoncez, comme l'ont fait les Gilets jaunes, parce que c'était à la gloire des Gilets jaunes d'avoir présenté finalement le jugement de la lettre à Macron. Bon, eh bien, effectivement, il n'y a que les gilets jaunes qui ont annoncé ce crime. Alors, je vais revenir sur deux choses que vous avez dit, et puis après on parlera d'effectivement, donc on a bien compris le crime, et après on reviendra sur pourquoi c'est un outil pour la prise du pouvoir, parce que c'est ça Oui. fondamentalement qui nous intéresse. Mais simplement pour ajouter une précision, 2 jours après avoir apporté cette lettre, enfin avoir tenté d'apporter cette lettre à l'Élysée, parce que nous n'avons pas réussi à accéder à l'Élysée, forcément, on a été au ministère de la Santé. Là, on a eu un entretien avec le docteur Emery. Qui est donc un conseiller donc du sinistre Véran. Et ce docteur Emery nous a dit 2 choses très intéressantes. Déjà par rapport au Rivotril, ils ont pris cette décision sur demande de l'organisme qui représentait en fait les EHPAD. Les EHPAD qui sont des organismes pour la plupart privés, qui ont fait en fait apparemment pression pour que le Rivotril soit généralisé dans les EHPAD. Donc là déjà, c'est, enfin, je veux dire, c'est tout sauf une gestion de santé publique là, puisque l'organisme demande et du coup, bah ok, d'accord, on vous C'est donne ce du qu'il a dit. Rivotril. Alors c'est ce qu'il a dit. Après bon. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est, il nous a dit, la chloroquine n'a pas été interdite pour une raison de santé publique, mais pour protéger les stocks. Enfin, tout ça, tout ça, bon, d'abord, il n'a pas prouvé, il n'a pas écrit, et de toute façon, c'est du cinéma. Parce que je vais vous dire, Ça peut l'être, mais en si, tout non cas, mais, on a quand même, non mais, non mais si vous voulez, on est quand même sur oui, je veux dire, ça avoue le crime pour moi, parce oui, bon, que, d'accord, on peut le prendre comme voilà, ça. ouais. C'est-à-dire qu'il n'avait pas accepté, si vous voulez, bon, il peut dire ce qu'il veut, ce qu'il veut. De toute façon, un crime, si les EHPAD demandent de faire un crime, ils n'ont pas accepté. C'est ce Oui, que dit. c'est ça. Donc c'est criminel. Oui, Bon, et en plus, on va rentrer dans les détails bien sûr, techniques, non, mais c'est mais ce que je dis. c'est toujours l'autre qui est coupable. Et on a affaire à des gens qui, effectivement, se déclarent irresponsables quand c'est pour eux, mais vous, ils vous mettent 135 euros C'est ça. quand vous êtes en pleine forêt en train de respirer. Exactement. C'est-à-dire que le schéma, c'est simple, il faut arrêter d'être pris pour des. C'est que le gouvernement a découvert vers le mois d'octobre qu'il fallait aérer les maisons. Oui. Il découvre tous les jours. Et puis là, donc, chez soi, il faut ouvrir les fenêtres, mais quand vous sortez, il faut mettre le masque. Bon, Ouais.
tout est dit. Bon. C'est-à-dire que, bon, c'est. Mais ce qui est terrible, c'est de voir un peuple qui, quand même, est censé être intelligent, si vous voulez, qui accepte d'être traité comme moins que rien, et que rien ne bouge. C'est-à-dire que je vous dis, il n'y a que les gilets jaunes qui, effectivement, ont bien porté le bon message à l'Élysée, aucun parti politique, rien, rien, rien. J'ai écouté les auditions au Parlement, mais c'est vraiment de la rigolade. Ce qu'il faut, c'est une méthode criminelle dans laquelle vous faites un interrogatoire, comme on le voit très bien. Hein, c'est un interrogatoire. Quand vous prenez Madame Buzyn, quand vous pensez que Macron, dont Madame Buzyn dit qu'il a été le destinataire du fameux tsunami, et qu'il est allé faire le guignol au théâtre, on est devant une posture criminelle. On est devant un acteur qui joue un rôle. Parce que l'idée, c'est que le grand principe de l'industrie, et ailleurs, c'est si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe? Si le gouvernement n'avait pas existé, s'il n'avait rien fait, j'allais dire que cette pandémie serait passée totalement inaperçue. Ça relève des chiffres de 25 000 morts. Qu'est-ce qui serait passé? Et c'est ce que dit très bien le docteur Besnénou. Donc c'est sur le blog Armée d'intelligence, vous pouvez voir Besnénou la sortie. Il a découvert le traitement. Parce que le but, en mettant hors de combat les premières lignes qui étaient les médecins généralistes, on les a empêchés de trouver la solution. Parce que quand vous allez voir un médecin qui est un vrai médecin et non pas un statisticien, il vous regarde, il vous demande qu'est-ce que vous avez, les comorbidités, je ne sais pas quoi, etc. Oui, Il vous traite, vous. Il ne il traite traite, pas en masse. c'est ça exactement. Il Il vous traite de regarde, manière vous. Et personnalisée. qu'est-ce qu'il fait? Ben, il cherche. Oui, bien Il sûr. cherche. Et là, Alors. c'est ce qu'a fait Besnénou, ils ont trouvé que c'était effectivement les antibiotiques. Donc si les médecins, avec le téléphone en plus, avaient pu traiter, eh bien, vous auriez. Il n'y aurait pas eu de lame. Mais le but de Macron, en allant au théâtre et en truc, c'était qu'il fallait qu'il y ait absolument un engorgement, comme pour la guerre de 14, dans les hôpitaux, pour rendre indispensable le confinement. D'ailleurs, ils n'ont pas dit que c'était pour le virus. Ils ont dit qu'il faut ralentir, mais c'était à cause de l'engorgement. Ce n'était pas thérapeutique. Donc, on se fout de nous, pour pas dire. AG continue, ce qui est tragique. C'est dans une démocratie que le monde entier nous envie, dans le pays des droits de l'homme que le monde entier nous envie, etc. Non mais bien Eh sûr, bien, non mais ils sont on là. comprend parfaitement cela, Monsieur Lipinski. Alors maintenant, Voilà. est-ce que vous pourriez du coup nous expliquer fondamentalement en quoi donc Bon, alors c'est très simple. cette mise en évidence Bon, que tout le monde maintenant, alors je c'est très pense, a simple. compris, D'abord, il faut que. sert la reprise du pouvoir. Bon, d'abord, il faut bien comprendre que l'intention est criminelle. Ça, Et je le pense crime, qu'on l'a première A, compris, c'est admis. acte 1, comme dans la magie. Bon, acte 2, si vous voulez. Bon, donc il faut traiter le criminel comme un criminel. Et le criminel ne peut pas rester chef de l'État. Il n'a aucune légitimité. Les Français ne doivent pas garder comme chef d'État un régime criminel, parce qu'il y a Macron et son équipe. Bien sûr, non mais Donc, ça, à ce on l'entend. moment-là, on reprend On le est d'accord. schéma. Mais comment on fait? Alors, un schéma qui est connu, c'est le schéma de Saint-Just, si je peux dire, dans son célèbre procès, le procès de Louis XVI, qui dit cette chose très importante pour la reprise du pouvoir. Parce qu'il ne suffit pas de chasser Macron, il faut prendre sa place. Oui. C'est ça la prise du pouvoir. C'est que l'esprit par lequel cet homme, c'était Louis XVI, va être condamné, c'est le principe sur lequel va être fondée la République. Je traduis. Le principe qui va condamner Macron, c'est-à-dire l'assassinat en masse des Français, si je peux dire, par mon traitement, c'est le principe qui va légitimer ceux qui doivent prendre sa place, c'est-à-dire les apôtres du bien commun, les défenseurs du bien commun. C'est-à-dire que c'est l'inverse, ce qu'il faut faire, c'est l'inverse qu'a fait Macron, c'est-à-dire ce langage trompeur, cet assassinat en masse des plus faibles. Eh bien, c'est le principe des gilets jaunes, c'est-à-dire le principe de la reprise du pouvoir, c'est l'inversion du langage de Macron, de nouveaux principes, ce sont de nouveaux hommes, et en prenant les principes inverses de ceux de Macron, qui sont la malfaisance, eh bien, on a le portrait robot de ceux qui sont éligibles à prendre le pouvoir. Et qu'est-ce qui a dénoncé Macron? C'est le mouvement des gilets jaunes. Donc l'idée, c'est que c'est le mouvement des gilets jaunes qui doit prendre la place de Macron. C'est QFD. Très bien. En fait, le crime prémédité justifie la prise du pouvoir. C'est ça ce que vous voulez dire. Rend indispensable. Oui, hein, Parce que c'est bien beau de dire aux armes, citoyens, tarotara, tarotara. Bon, mais il faut passer à l'action.
Je n'ai pas dit qu'il faut prendre les armes, au moins les armes de l'intelligence. C'est à qui il faut d'abord dénoncer le crime, et une fois que Macron, l'adjectif criminel sera accolé à Macron, ben c'est fini. Et c'est pour ça d'ailleurs que, évidemment, personne ne veut dire Macron à l'entour du pot, c'est le masque, etc. Non, on a affaire à une intention criminelle. On n'a pas affaire à une incompétence. Et d'ailleurs, les gens qui connaissent Macron de près disent qu'il est méchant. C'est pas quelqu'un d'ailleurs. Il y a cette méchanceté parce que, si vous voulez, et l'objectif le plus simple, quel est l'objectif dans l'attention? Bon, le plus simple, restons aux choses simples, allons pas, c'est le vaccin, le vaccin, le vaccin. Et qui a financé Macron, la campagne? Vous savez, il y a une formule d'Alexandre Adler qui dit c'est celui qui paye la musique qui donne le ton. Oui. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez payé l'élection, vous donnez le ton. Donc, les trois objectifs les plus simples, sans chercher les choses compliquées, un, premièrement, c'est le vaccin. Bon. Deuxièmement, c'est la paix sociale, c'est que personne ne bouge. Troisièmement, c'est sa réélection. Parce que sur quoi l'élection de Macron va-t-elle se jouer? Lui, évidemment, son jeu, c'est dire on était en guerre, nous avons gagné la guerre, je suis le général qui a gagné la guerre. Donc, je suis légitime pour prendre la suite. Nous, ce que nous disons, c'est que vous avez perdu la guerre, si vous voulez, et bon, et donc, vous devez subir le sort de celui qui, non seulement a perdu la guerre, mais a trahi. Et donc, puisque c'est nous qui avons gagné la guerre contre vous, c'est nous qui prenons la place. C'est comme ça que ça se passe, dans la stratégie. Voilà. Donc, c'est aussi bête que ça. C'est l'inversion, si vous voulez, c'est le bien mis à la place du mal, c'est ce que je vous disais, il faut inverser ces valeurs, ces contre-valeurs, pour remettre la morale, l'intelligence, la politique, la prospérité à l'endroit. Voilà, c'est QFD. Parfait. Bon, bah écoutez, monsieur Mpinski, on va conclure là-dessus. Et puis comme ça va nous amener sur la deuxième mission que nous allons faire ensemble, où nous allons parler plus spécifiquement du coup de la prise du pouvoir, en l'occurrence de votre stratégie, à savoir... Je spoil un petit peu, comme on dit, préparer l'élection de 2022. Voilà. Très bien, je vous remercie. Et bah parfait les amis, donc on va se quitter là-dessus. Donc vous suiviez Sur le champ, l'émission qui travaille à la reprise du pouvoir, et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission.